Moi aussi, je capote parce que vous ne savez peut-être pas, mais je partage quotidiennement la scène avec un bon samaritain. JS, je parle pas de toi. Non, je parle du gars qui joue du drum juste derrière JS. Ouais. Toi, dans la cage en plexiglas qui sourit tout le temps. C'est peut-être l'odeur du Windex qui te fait ça. Mais ce gars-là, j'ai appris cette semaine que notre batteur, Christian, premièrement, j'ai appris qu'il s'appelait Christian. Et deuxièmement, j'ai appris qu'il a adopté un bébé. Monsieur spécial, son bébé, il pèse 100 kilos, le bébé. Oui, c'est un bébé éléphant orphelin du Kenya. C'est cute, hein? C'est quoi son nom? Matao. Matao, comme les nouveaux cafés chez Starbucks. Ça coûte combien par année, je sais pas, adopter ça, un éléphant? 60$ par année. Pis ça, tu le protèges comme ça du braconnage et tout ça, fait que sa vie est protégée grâce à toi. Exact. Tu fais cute, c'est lui ça! Ah, il te ressemble, il te ressemble! Non, mais, ben bravo, c'est le fun. Il va-tu venir passer les fêtes ici? Le sens de loi, j'ai oué que ça tombe dans le bol à punch, là. Non, mais. Je voudrais bien, là. Je vais essayer. T'aimerais ça. T'es sweet à mort, Christian. D'ailleurs, on a voulu t'offrir, toute l'équipe, on s'est mis ensemble et on voulait t'offrir un sac de cacahuètes. Hein? Tu savais déjà que tu travaillais avec des pinottes, mais. Alors, tu pourras. Désolé, Chris, le sac a ouvert. Merci, Stéphane. C'est rien. Ça va-tu t'empêcher de jouer? Non. Désolé, c'est un accident. Oh. Un accident, c'est vite arrivé, sac malheureusement. Puisque tu nous as donné une deuxième chance à cet éléphant-là, eh bien, pour ton grand cœur, je te déclare officiellement Saint-Christian! Ah, c'est émouvant tout ça.